Bonjour tout le monde, c'est Byphon. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le test de cette magnifique voiture qu'est la Venus Stanford. On va enlever les petites musiques des petits copyrights là. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, on s'en fout de Martin, hein. Même si bon, Dristur, je t'aime bien, mais voilà, quoi, les Martins quand même, c'est pas trop ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir appeler Lester. Voilà. Du coup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur GTA Online. Voilà, Online. Pour le test de cette magnifique voiture, la magnifique Elus Stanford. Voilà, parce que... On va faire genre, on va être un peu RP, parce que même si c'est GTA, tu vois, tranquille. Parce qu'en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que j'avais un peu beaucoup de sous sur mon compte, tu vois. Et que je savais pas trop quoi en faire. D'ailleurs. Du coup, on va déjà aller customiser cette voiture parce qu'il faut bien faire une vidéo pour aujourd'hui, hein. Même si entre nous, il n'y a pas vraiment besoin de... Alors... Même si bon, entre nous, hein, on aurait pu ne pas la customiser aujourd'hui, mais nous allons le faire parce que Rolls-Royce, c'est la base. Et que je trouve cette voiture trop belle. Du coup, on se retrouve à l'excuse, on laisse les beaux petits phares jaunes comme ça, motif. Ah, oh putain, il y a des motifs dessus, gros. Flamme, ça fait... Alors par contre les motifs. Ah par contre ça je trouve c'est stylé les motifs. Ça pas vraiment. Ça non plus. Oh hé hey. Champion du monde. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme motif? On va déjà faire la couleur avant. Voilà niveau peinture. Et pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce qu'on va mettre comme peinture? Je vais pas mettre du chrome, quand même pas. C'est une Rolls-Royce. Une Rolls-Royce, c'est quelle couleur? On va voir si vous connaissez vos classiques. Une Rolls-Royce, c'est gris, les gars. Voilà, un petit gris argent comme ça. Parce que pour ceux qui savent pas, oui, c'est une Rolls-Royce. Merde. J'ai fait un clic droit sans faire exprès. Triste. Et les Rolls-Royce, en général, c'est gris. Est-ce qu'on mettrait pas une deuxième couleur comme ça? Non. Ça rend pas mal. Deuxième couleur dans ça rend mal. Vaut mieux choisir la couleur intérieure. Parce qu'on va rester sur du noir en vrai. Parce qu'en blanc, quoique. Hop, vue troisième personne. Ouais, non, ça rend quand même mieux en noir. Hein. Voilà. On va pas la vendre même si ça se revend bien ce genre de truc. Hein. Suspension. Suspension, transmission, on laisse les roues. Ce qu'on va faire, on va mettre les pneus à l'épreuve des balles. Parce que des fois notre métier peut être dangereux. Voilà. Bien sûr, vitre teintée, hein, sarc xénon, vitre teintée, TMTC. Même si bon, hein, en vrai, le jour quand même, tu vois. Oui, j'ai une voiture comme ça. Bon, je teinte les vitres, mais à la française, parce que j'ai quand même vite fait envie qu'on me voit dedans, tu vois. Ne t'achète pas une voiture comme ça pour pas qu'on te remarque, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, voiture qui est vraiment très très belle. Même peut-être un peu trop. Voire même peut-être un peu trop. Voilà, du coup, une petite vidéo. Donc, dites-moi, hein, il y aura un petit sondage si vous aimez GTA. En tout cas, j'espère hein, que vous aimez GTA, parce que là, je pense que on est parti pour quand même pas mal de vidéos GTA. En vrai, j'ai eu envie de jouer GTA parce que ça faisait longtemps. Et puis surtout parce qu'en histoire géo, on a parlé de Los Angeles, tu vois. Le prof, il a dit, ouais, c'est la même ville que dans GTA, genre j'étais pas prêt. Et puis je me suis dit, gros, ça fait longtemps. En plus, j'ai pas découvert les derniers DLC, tout ça. Du coup, je me suis dit, bon, ça se tente, un petit GTA entre nous, voilà. Et du coup je pense que je vais... Ouais, j'ai pas regardé pour les motifs. Enfin bref. Je pense pas que ça aurait très bien rendu avec du gris de toute façon. On aurait pu au moins regarder. Enfin bref, c'est pas très grave au pire. Et voilà, à peu près comment prendre une belle photo avec un beau cadre. Après, comment prendre une encore plus belle photo? Eh bien tout simplement. On va sur l'outil là que nous a fait notre cher ami Rockstar, voilà. Et on essaye de regarder, tiens, s'il n'y a pas un petit filtre hein, qui irait bien. Par exemple, je trouve personnellement que ce filtre un peu bien rétro irait très bien avec la voiture. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je take a picture. Voilà, je sauvegarde in the gallery.
Et moi je dis ça comme ça pour ceux qui sont restés juste là, juste là. Il va y avoir un peu de vidéos sur GTA tout simplement parce que eh bien nous allons nous faire les petits braquages qui vont avec le Terror Beat hein, ou le Terror Bite ou le truc en fait. Voilà, on va pas mettre de motifs. Être une petite station de la tourelle, une petite station de drone, un petit atelier spécialisé, hein, pas mettre d'atelier d'armes, on va garder un peu de thunes. Hein. Et on va acheter. Ça fait mal au cul. J'ai un trou là. Un gros trou là qui me perturbe dans l'anus là. C'est. Oh. Ça fait très mal à 3 millions comme ça. Du coup, voilà, on va se retrouver un peu au fil de la semaine, tout ça, ou même de prochaines semaines, pour quelques vidéos sur les nouveaux braquages du coup. De GTA V, comme ça fera un peu de contenu, voilà. Du coup les amis, on se retrouve dans un de mes nombreux complexes qui est la boîte de nuit Maisonette honnêtes Los Santos. D'ailleurs n'hésitez pas à venir faire un tour, à payer un verre, comme ça j'ai un peu de thune, vous voyez. Hein. Voilà. Et regardez-moi ces dieux avec le DJ juste en bas là. Bah, les DJ, donc c'est deux DJ, est-ce qu'on est pas bien? Ça c'est des bons, moi je vous le dis, et les copyrights que je vais prendre, ils vont être bons aussi. FDR, du coup, on se dit au revoir tout le monde, et bonne journée, à plus dans le Wibus.